Chers amis, je vous propose de faire deux lectures dans le Nouveau Testament ce matin. La première, un peu longue, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et la seconde, sous forme de trois brefs ricochets de textes dans l'Épître aux Hébreux. Romains 8, à partir du verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livré, elle garde l'espérance. Car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce qu'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable, et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à son image, à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Selon qu'il est écrit, à cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour et nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Trois petits ricochets dans l'Épître aux Hébreux. Trois pépites qui viendront scander tout à l'heure notre méditation. La première, au chapitre 4, le verset 12. Vivante, en effet,
est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. La seconde, le verset 19 au chapitre 6. À nous qui avons tout laissé pour saisir l'espérance proposée, Dieu donne une ancre de l'âme bien fermement fixée et qui pénètre au-delà du voile. Et puis, après la longue succession de ceux que Dieu a bougés par la foi, d'Abel à Abraham, en passant par Enoch et Noé, ces mots au chapitre 11, verset 13, « Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation des promesses. Mais après les avoir vus et salués de loin, et après s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. » Dans le cantique, dans le recueil « Louanges et prières », je vous invite à prendre le cantique 240, « Vers toi s'élève mon âme, éternel mon Dieu, mon roi ». Cantique 240, nous chantons les trois strophes. Éternel mon Dieu, mon roi.
nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis autour de toi, autour de ta parole. Chacun et chacune de nous vient avec un chemin particulier, une histoire, des douleurs, des joies, des espoirs, des regrets. Tous ensemble, nous formons un peuple invisible et pourtant là, réunis autour de ces mots si fragiles et qui nous rendent si forts. Éclaire pour nous ta parole. Rends-nous intelligents de ton intelligence. Ouvert, attentif. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, qui donne sens à nos vies. Je ne prétends pas vous apporter un scoop ce matin en vous rappelant, puisqu'on nous le serine à tout va, que voilà, la crise est là. Elle est là au sens où notre économie et parfois nos économies en pâtissent. Elle est là au sens où le monde du travail et toute notre société en subissent les conséquences, parfois dramatiques. Elle est là au sens où la vie politique est chahutée par des enjeux et des défis contradictoires. Et puis nous nous croyions vaccinés contre les mirages, et voici que nous rêvons de messies planétaires, que nous aspirons à un miraculeux retour de la croissance. Nous nous voulions émanciper des tutelles illusoires, et voici que nous nous prosternons avec plus ou moins de conviction devant les lois du marché, à moins que nous entreprenions d'en abattre les statues avec l'énergie du désespoir. En oubliant ou en faisant semblant d'oublier, parce que c'est tout simplement trop difficile de tenir ensemble des choses aussi contradictoires que cela. En oubliant que c'est précisément ce modèle de la croissance qui a rendu folle l'économie mondiale. Et que ce modèle nous mène droit dans le mur. Nous savons aujourd'hui qu'il consiste à piller une terre dont les richesses ne sont pas inépuisables. Seulement, en chair, inutile de se voiler la face, le prédicateur, le théologien, n'a pas grand-chose à dire de cette conjoncture critique.
guère plus en tout cas que chacune et chacun de vous, guère plus que tout citoyen qui réfléchit. En revanche, il vaut peut-être la peine de s'arrêter sur ce que c'est, sur ce que ce peut être, que ça devrait être une crise pour les croyants que nous sommes ou que nous nous efforçons d'être. Et si nous allons mal, mais allons-nous mal ? Déjà se pose la question du diagnostic. Disons, si ça ne va pas bien, pourquoi ne pas se fabriquer une théologie de poche, une trousse de secours pour moment de crise ? Avec le passage de l'Épître aux Romains et ses trois petits versets piqués ça et là dans l'Épître aux Hébreux, je vous propose ce matin de tourner autour de quelques convictions fondamentales, non pas sous la forme d'affirmations carrées, de dogmes, mais d'idées énoncées si possible avec des mots simples. Et après avoir parlé de trousse de secours, je continue un instant dans le registre médical. Disons, en recourant non pas à la pesante technique chirurgicale, à l'outillage high-tech, mais plutôt en se bricolant, ici une attelle, là un bandage, un pansement pour écloper de la foi. Une théologie pour itinérants, pour celles et ceux qui, comme Jacob, font de drôles de rencontres quand ils luttent au gué du Jabbok contre un ange ou Dieu, qui luttent pour comprendre et ne sentir pas intact, sentir en tirant la jambe. Mais aussi, un peu comme dans ces récits de guérison que raconte l'Évangile, que ce soit l'occasion d'une rencontre souriante et apaisante. Un moment pour se poser et se reposer tranquillement. Ça ne va pas bien dans ta vie. Tu traverses une passe compliquée. Le combat que tu mènes t'épuise. Arrête-toi pour respirer et reprendre souffle. Dans ce passage de l'Épître aux Romains, Paul, lui aussi, fait un diagnostic inquiet, parlant des souffrances du temps présent, du monde dans lequel il vit, où les espérances sont chahutées et où se font entendre des gémissements. Sous la plume de l'apôtre, beaucoup de mots pour dire que c'est dur, pour le monde entier et pour chacune et chacun. Sans complaisance, mais pas non plus en passant là-dessus comme chat sur braise, comme si ça n'avait pas d'importance. Et c'est après ce travail de prise en compte que survient un malgré tout, obstiné, quelque chose d'absolument indéracinable, une confiance indéboulonnable. Appelons-la, ce sera mon premier gros mot, appelons-la la Providence. L'idée selon laquelle, après toute cette obscurité qu'il faut traverser, la lumière arrive, et peut-être est-elle déjà là dans la nuit. La lumière est la délivrance, non pas parce que, comme le dit la sagesse des nations après la pluie, le beau temps, mais pour une raison plus forte, parce que Dieu a pour ce monde un projet, parce que l'histoire des hommes, aussi tourmentée soit-elle, n'est pas abandonnée de lui. Providence, parce qu'étymologiquement, et bien que ce soit dur à dire et dur à porter, providere, c'est voir en avance, prévoir. Dieu
tiendrait donc mystérieusement le gouvernail de ce monde. Or, ce qui peut retenir notre attention en ce temps de crise, c'est que nous venons dans un monde où la providence s'est beaucoup laïcisée. On a beaucoup parlé d'État-providence. Mais dans cette expression, il s'agit moins de prévision que de subvenir à tous les besoins, de combler les manques, voire de se substituer à ceux qui peuvent et qui doivent prendre certaines responsabilités dans leur famille, dans leur secteur professionnel, dans la vie de la société. La providence telle qu'elle résonne aujourd'hui à nos oreilles a quelque chose d'un oreiller de paresse. Or, si nous revenons au texte de Paul, on est frappé de voir que sa providence à lui n'abolit ni n'atténue la souffrance ou la difficulté, qui sont prises au sérieux et regardées en face. La création, notre monde, notre histoire, la création soupire comme une femme qui va enfanter. Elle gémit. Rappelons-nous qu'au moment où Paul écrit ces mots, il pense que l'histoire arrive à son terme, comme une future maman arrive à terme. Lui aussi, à sa façon, écrit une théologie de poche, réfléchissant dans le provisoire, bricolant des interprétations, des explications, pour comprendre ou tenter de comprendre ce qui se passe. Prenons donc le risque de se tromper. C'est important pour comprendre correctement cette gloire dont il parle, comme d'une espérance et pas d'un triomphe. Important pour éviter de faire de la foi un fanatisme aveugle ou l'adhésion à une puissance irrépressible, qu'elle soit légion d'anges ou char d'assaut, qui renverserait tout sur son passage. Cette gloire-là est une force, bien sûr, mais une force discrète, voire secrète, et vulnérable, comme on va le voir. Car la personne autour de laquelle tout se joue et se noue, c'est ce Jésus-Christ, Fils, mort et ressuscité. Il y a bien une croix sur la trousse de premiers soins. Une croix qui, paradoxalement, d'instrument de supplice, se fait symbole de secours. Et qui, tout aussi paradoxalement, l'est non pas en évitant la mort, mais en l'affrontant. La croix éclaire la providence. Après la nuit, après la crise, ou dans la nuit et dans la crise, se dessine la figure d'un Dieu qui vient à notre rencontre, à ta rencontre. Un Dieu qui ne surplombe pas la mort, mais la traverse et l'habite. Non, la gloire n'est décidément pas un char d'assaut. Elle vient à nous comme faiblesse d'un homme blessé, comme une présence nue. Or, lorsque nous pensons gloire, nous pensons élévation, domination. Eh bien, Jésus explique à Nicodème, au début de l'évangile de Jean, que le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ce que révèle la croix, ce que révèle la suite de l'histoire, c'est que cette élévation paradoxale
se produit précisément sur la croix. Voici que certaines de nos certitudes les plus confortables volent en éclats, entrent en crise. Mais devrions-nous nous en étonner, nous qui avons lu dans cette épître aux Hébreux que la parole de Dieu est un glaive plus tranchant qu'aucun glaive à double tranchant, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Je vous l'avais dit, la trousse de secours est utile. On ne va peut-être pas s'en sortir indemne. La providence, la croix, et puis la foi. Pas la foi comme un catéchisme qu'on annonce et qu'on récite avec plus ou moins de conviction. Pas comme un vague souvenir, plus ou moins bon, de doctrines dont on nous avait revêtus à l'école du dimanche et qui ont été lustrées par le temps, usées par les lessives et les saisons. Non, la foi comme une rencontre qui se produit dans ma vie, dans ta vie, comme une rencontre amoureuse, comme un événement qui survient sans qu'on l'ait prévu et qui chaque jour doit être actualisé, ravivé. La foi inédite et inouïe, étonnante, qui fait trouver ou retrouver en soi des ressources insoupçonnées, oubliées. La foi comme un combat, tel celui qu'a livré Jacob au gué du Jabbok. La foi comme un soulagement, tel celui qu'éprouve le paralysé qui remarche, l'aveugle qui voit, le possédé dont les tourments s'arrêtent. Oh, je ne prétends pas que les guérisons soient définitives, qu'on soit une fois pour toutes tiré d'affaire et que la crise soit derrière nous. D'ailleurs, remarquons que les évangiles racontent des guérisons, mais ne nous disent pas ce qui s'est passé bien après dans la vie de celles et de ceux que Jésus a rencontrés. On se doute bien que tout n'est pas devenu rose pour elles ou pour eux à partir de cet instant. Mais on devine que cette rencontre a été déterminante dans la suite de leur existence. Et c'est pourquoi ces récits continuent de nous inspirer de l'espérance. Quelque chose s'est produit alors, dans quoi ils ont pu puiser et trouver cette espérance. Cette espérance, dit l'Épître aux Hébreux, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Alors, la liste que fait Paul, nous devons l'affronter. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. J'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La liste des tribulations réelles ou des tourments possibles que dresse Paul, chacun de nous peut l'adapter en fonction de ce qu'il traverse. Et nous pouvons tous l'allonger beaucoup. Des épreuves personnelles à la crise de civilisation, rien de plus facile que d'ajouter à cette énumération toutes sortes de raisons de douter ou de baisser les bras. Et permettez-moi d'insister sur ce point
Paul ne dit jamais qu'il n'y a pas de raison de douter ou de baisser les bras, qu'il faudrait serrer ses petits poings et se dire qu'on va s'en sortir, comme ses entraîneurs d'équipes sportives essaient de galvaniser ou de remotiver leurs troupes. Il ne fait pas cela. Il mentionne calmement ses raisons de douter ou de baisser les bras. Il les identifie et nous invite à en faire de même dans nos vies. Mais il ajoute qu'aussi fortes que soient ses raisons, qu'aussi infranchissables que paraissent ses obstacles, ils n'auront pas le dernier mot. Les sujets d'angoisse ne disparaîtront pas comme par magie, mais nous croyons, nous savons que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il nous accompagne et nous soutient parce qu'il en a donné dans l'histoire maintes preuves, la plus forte étant sa présence en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous nous sentons adoptés par lui. C'est pour cela que nous nous disons ses fils et ses filles. Et dans un contexte de controverse confessionnelle, Calvin, commentant ce texte, disait, pour s'en prendre évidemment à ses adversaires, « Il ne nous faut point craindre que la continuelle durée des maux, si longue qu'elle puisse être, efface la certitude et la fermeté de notre adoption. » Et ainsi nous voyons que ceci contredit clairement ces scolastiques brouillons qui gazouillent que personne n'est certain de la persévérance finale, si ce n'est par le moyen d'une révélation spéciale, laquelle, selon leur dire, est extrêmement rare. C'est là une affirmation qui anéantit totalement la foi, qui certes n'est point si elle ne s'étend jusqu'à la mort, voire même après la mort. Mais au contraire, ajoute le réformateur, il faut que nous soyons assurés que celui qui a commencé en nous la bonne œuvre la parfera jusqu'au jour du Seigneur Jésus. Dans ma trousse, trois mots. La providence, la croix et la foi. La providence qui n'est pas un super pouvoir, mais une raison d'espérer malgré tout, une raison solidement chevillée en nous et dont il faut resserrer la cheville régulièrement. La croix qui nous dit la proximité de Dieu en son Fils, venu non pour tout régler comme par enchantement, mais pour habiter l'humaine condition de la crèche à la croix et pour nous en redire la beauté. Et la foi qui nous fait rencontrer ce Jésus, celui qui vient à nous, la foi qui nous met en chemin après sa rencontre, vers lui, vers les autres et peut-être aussi vers nous-mêmes. La providence, la croix, la foi, trois mots clés pour une théologie de poche, parce que quand on est en marche, mieux vaut ne pas s'encombrer ou se charger inutilement. Or, si nous sommes chrétiens, nous le sommes non pas d'abord parce que nous avons une doctrine bétonnée et la certitude d'avoir raison contre tous ceux qui pensent ou croient différemment, ou contre ceux qui doutent, ou contre ceux qui ne croient pas. Chrétiens, nous le sommes ou cherchons à l'être, parce que nous sommes en chemin des pieds à la tête. Que nous marchions ou que nous méditions, nous sommes frères et sœurs,
de celui qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Nous sommes, comme le dit l'Épître aux Hébreux, étrangers et voyageurs sur la terre. Finalement, alors, peut-être même que pour la foi, traverser la crise, c'est normal. »